Hello la team! Bonjour! Bonsoir les amis! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur notre chaîne. C'est votre amie Ashley la Victorieuse. Merci de liker, de commenter et de partager. Mouah! Les fleurs violettes agrémentent votre jardin et le colorent joliment. Du parme au violet foncé, elles offrent une palette importante de tonalités qui apportent de la couleur à votre jardin. Voici un petit aperçu des fleurs qui pourront venir orner celui-ci au fil des saisons. Source Google, cetendance.fr. L'agapanthe, la plante violette la plus connue. L'allium, elle fait partie des fleurs violettes printemps qui apparaissent en mai. Calicarpa, cette plante peut atteindre 3 mètres quand il évolue dans de très bonnes conditions. Cattleya, elle fleurit en fin d'été et début de l'automne, entre septembre et novembre. La centaurée, elle fleurit de juin à l'automne. Elle est très appréciée pour réaliser de très beaux bouquets. Ponsoude, la période de floraison de cette très jolie fleur s'étale durant le printemps et l'été. Drosera, plante originaire d'Afrique du Sud qui est assez simple à cultiver. La cobée grimpante, c'est une fleur violette grimpante assez foncée qui orne les murs et les façades. Freesia. Le freesia est une fleur très décorative qui peut être double dans certaines variétés. Gloxinia. La gloxinia est une fleur violette vivace qui peut atteindre 30 cm de haut. Bonnette du pape. Cette plante se présente sous la forme de touffe qui présente une hauteur de 50 à 90 cm. La violette des bois, c'est une petite fleur violette sauvage que vous pouvez facilement cultiver dans votre jardin. Le polonia, avec ses grandes et larges feuilles en forme de cœur, le polonia est un arbre caduc qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. L'ostéospermum est une fleur rose et violette vivace qui apprécie les endroits ensoleillés. La passiflore. Elle présente des fleurs d'un bleu violacé très original. L'hysope officinale. Elle présente des fleurs en épi d'un violet foncé tirant légèrement sur le bleu. Hebe. L'hebe est une plante très décorative avec ses fleurs en ombelle qui se renouvellent sans cesse de juillet à octobre. La glycine. Elle fleurit en été. Ses fleurs forment des grappes pendantes de 15 à 30 cm. Le crocus. Ces grosses fleurs sont odorantes et ils se déclinent en de nombreuses variétés dans différents coloris. La véronique. Elle présente des fleurs violettes en épi, un peu comme le lilas. Tillandsia. Le tillandsia présente des rampes de fleurs violettes au centre de la rosette. Sophora. Le sophora est un grand arbuste qui présente de très jolies fleurs violettes. Le polygala, c'est un buisson qui produit de très jolies fleurs violettes assez petites entre juin et octobre. Le platycodon, ces fleurs peuvent être simples ou doubles. Elles se plaisent particulièrement dans les sols calcaires. La pervenche, avec ses fleurs délicates violettes, elle est une fleur très décorative dans le jardin. Nepeta, ces fleurs ont la particularité d'attirer les abeilles et de fleurir très longtemps de juin à octobre. Muscari, cette fleur très originale et très décorative est présente dans les jardins entre mars et mai. Le lilas est certainement l'une des fleurs mauves les plus connues. Il fleurit à l'arrivée du printemps. Épilobe. Elle est également appelée herbe de Saint-Antoine. Elle donne de juin à septembre des fleurs qui peuvent être violettes.
l'érysimum. Elle est en fleur de mars à juillet. Celles-ci peuvent avoir une couleur variant du rose au mauve. Et enfin, la lavande. Elle produit une huile essentielle très agréable. C'est une excellente plante ornementale et odorante. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère que vous avez bien apprécié. Soyez bénis, gros bisous, bye bye, à la prochaine.